Bonjour tout le monde! Est-ce que vous allez bien? Good! Je m'appelle David Chouinard, je suis un des pasteurs ici. Je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue avec nous ce matin. Je vous souhaite une joyeuse Pâques aussi. On a une matinée un peu différente qu'à l'habitude. Si vous êtes relativement familier, de venir avec nous une fois de temps en temps. On est dans la cafétéria ici. Quand la salle de l'autre côté est occupée, on vient se rassembler ici pour éviter de, de se déplacer d'un campus du cégep à l'autre. Donc, euh, c'est ça, c'est ici qu'on on va conclure ce matin cette série qu'on vient de voir sur le roi, et puis qui va bien terminer justement avec euh, Pac, c'était ça l'objectif en parlant de la série Le roi où on parle de Jésus, qu'on conclut ce matin en parlant justement de, de pourquoi Jésus est venu. Puis quand on a commencé la semaine passée, en fait, le, le, euh, cette, euh, ce, ce discours en deux parties, on a parlé du roi éternel, on a parlé de comment est-ce que Jésus est ce roi qui au-delà de, de, de son passage sur terre et roi aussi. Je vais prendre quelques instants juste avant que j'entame le discours pour, euh, avec la partie numéro 2 en ce qui concerne le roi éternel pour présenter un peu l'Église parce que euh, justement dans une occasion comme aujourd'hui, peut-être que vous avez un, un retour, vous avez décidé de venir voir c'est quoi l'Église 180 ou peut-être que vous avez ce, ce, cette fibre-là en dedans de vous qui vibre encore euh, à l'égard de la foi, de, puis vous vous posez la question, ben, euh, qu'est-ce qu que Dieu est, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il est, est, qu est présent? Et puis, donc, vous avez cette curiosité-là, vous êtes peut-être venu ici ce matin. Et peut-être que vous nous suivez aussi en ligne pour euh, en apprendre un petit peu plus sur Dieu. Donc, l'Église 180, je pourrais tout simplement dire que c'est une Église, euh, entre guillemets, normale, une Église protestante normale, c'est-à-dire qu'on croit à la Bible, on croit à Jésus-Christ qui est fils de Dieu, on croit que, que, que Dieu est, 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 est présent, qu'il est un être réel et un être qui veut entrer aussi en relation avec l'humanité. Et puis, euh, euh, on se présente comme une Église urbaine, c'est-à-dire que on veut être là où les gens sont. Euh, une chose que j'aime pouvoir euh, apprécier, je peux dire, une chose que j'apprécie, c'est regarder Jésus, son passage sur terre, comment est ce qu'il vivait dans les Évangiles. Puis, pour bien connaître Dieu, il faut plus regarder Jésus qui il était, qui il est, que de regarder l'Église comme telle. C'est-à-dire que Jésus était celui qui, qui, qui était l'ami des gens, l'ami des gens, l'ami des pécheurs, celui qui vivait là où les gens sont. Et quand on dit, par exemple, qu'on va être une église urbaine, on va être disponible, on va être accessible, mais aussi servir notre communauté, servir en tant qu'individu, c'est-à-dire que nous-mêmes, chacun individuellement, où on, on a ce, ce, cette même habitude que Jésus avait de servir les gens autour de nous, mais en communauté aussi, où on veut faire du bien autour de nous. On s'appelle l'Église 180 parce qu'on croit que euh, de pouvoir entrer en relation avec Dieu, de pouvoir connaître Dieu, ça prend ce step dans nos vies où on fait un 180, où on se, où on, on se détourne de notre indépendance, un peu comme si on avait déclaré l'indépendance à Dieu, à l'égard de Dieu, pour dire, Bien, Dieu, on, on veut vivre sans toi. Et puis de l'autre côté, il y a Dieu qui nous appelle, puis qui dit, Bien, je, veux, je veux te connaître, je veux entrer en relation avec toi. Et pour ça, il faut que tu abandonnes cette vie-là, il faut que tu abandonnes ton indépendance, ce, ce mal que tu poursuis pour te tourner vers moi, puis finalement... Revenir à moi. C'est cette idée de 180, l'idée que c'est différent, mais beaucoup plus l'idée de, de repentance où on se tourne vers Dieu pour qu'on puisse découvrir la vie en Jésus-Christ. Euh, L'Église, c'est n'est pas un club social de croyants ou un, un musée de gens qui sont parfaits et puis qu'on expose les, les belles et bonnes personnes. L'Église, ce n'est pas des gens qui sont parfaits, c'est des gens qui qui sont rassemblés par un Dieu parfait, c'est des gens qui ont encore des difficultés, qui ont encore des luttes, qui ont encore des tentations, mais qui se sont tournés vers Dieu et puis qui demandent à Dieu d'intervenir dans leur vie et de les conduire finalement pas à pas. C'est ça l'Église. L'Église, c'est des gens qui se rassemblent et qui, euh, qui, qui, qui suivent Dieu. Euh, et la raison pour laquelle je voulais prendre le temps aussi de présenter brièvement l'Église, c'est parce qu'on va commencer une nouvelle série. Donc, on vous invite déjà dès la semaine prochaine à revenir. On va commencer la série L'Église imparfaite, où on va... Ça va être une série basée sur le livre dans la Bible de 1 Corinthien. Et on va voir cette Église, puis finalement voir comment est-ce que pour nous aujourd'hui, en tant que, que croyants ou en tant que personnes qui vivent aujourd'hui en 2016, comment est-ce qu'on euh, peut avoir cette relation-là authentique avec Dieu. Et la partager aussi dans un corps, dans une communauté qui s'appelle l'Église et qui, des fois, n'est pas, et souvent, n'est pas parfaite, et qu'elle a des difficultés et qu'il y a des, des choses à surmonter. Donc, dès la semaine prochaine, on vous invite à revenir avec la série Église Imparfaites où on va être basé sur un Corinthien. Est-ce que vous saviez que Pâques se fait le premier dimanche suivant la première lune, la première pleine lune du mois de mars? Ça a été déterminé par Constantin. Je ne ferai pas un long cours d'histoire parce que ça va être ennuyant, mais il y a eu une époque au, au Concile de Nicée qui a été décidée, à l'époque de Constantin, qui a été déterminée comme quoi que Pâques allait suivre le, la première pleine lune suivant, euh, excusez, le premier dimanche suivant la première pleine lune. J'étais mercredi passé dans une rencontre et puis c'était tard le soir et puis puis euh, pendant la rencontre, je regardais par la fenêtre, <laughs> pas parce que la rencontre ne m'intéressait pas, mais euh, des fois, j'ai un petit déficit d'attention. Je regardais dehors. Et puis là, j'ai vu en plein dans la fenêtre où j'étais la pleine lune. C'était mercredi dernier. Elle était vraiment belle. Le ciel était dégagé. C'était vraiment génial. Et puis là, je voyais la lune monter. Puis là, régulièrement, je la regardais. Et quand je suis revenu chez nous le soir, je suis arrivé à la maison. Et puis, un peu comme l'exemple que j'avais donné la semaine passée du canot, je vais revenir tantôt sur cet exemple-là. J'ai regardé au ciel, puis j'ai essayé de prendre une photo, ça n'a pas marché, mais j'ai trouvé une autre photo de cette pleine lune-là, si on peut la mettre, d'un ciel complètement étoilé, d'une lune qui était présente, il n'y avait pratiquement pas de nuages, puis c'était vraiment magnifique. Et ça me rappelait justement cette idée de lever les yeux vers le ciel, de lever les yeux parce qu'on on, on peut apprécier et remarquer qu'il y a plus. Euh, il y a plus grand que nous, il y a plus grand que ce, qu ce à quoi on est attaché sur la terre. Et euh, quand on parle de ce roi éternel, qu'on parle de Jésus qui a été là plus que, en fait, de son passage sur terre, qui était là même avant, mais qui est évidemment présent sur terre, et puis après sa mort et sa résurrection, qu'on célèbre aujourd'hui pour euh, la Pâque le dimanche, on se souvient que Jésus est revenu à la vie, bien, on, 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 on croit que Jésus est au ciel et qu'il règne présentement. Et l'encouragement que Dieu nous laisse, c'est lève les yeux vers lui, lève les yeux vers le ciel, parce que c'est là que Jésus siège. Mais brièvement, quand on parlait la semaine passée, Jésus, quand que euh, euh, parle, qu en fait, dans les grandes lignes, ça concerne évidemment la dernière semaine, ça concerne le, les derniers événements où Jésus, justement, qu'il soit crucifié et puis qui a été conduit à la mort. Mais juste avant d'être conduit à la mort, il a subi divers procès, en commençant par un procès... Religieux, C'est-à-dire que les premiers et les seuls, en fait, qui en voulaient à Jésus, c'était des chefs religieux. Puis on se souvenait comment est-ce que Jésus avait confronté les chefs religieux pour leur dire, ce qui vous intéresse le plus, c'est votre gloire humaine, c'est de bien paraître devant les hommes, de paraître des, des grandes personnes religieuses, mais dans le fond, votre cœur est pas là du tout. Donc, quelques jours après, ces chefs religieux-là ont cherché à piéger Jésus. Et puis là, le, le grand prêtre a posé la question, puis j'ai apporté le texte pour qu'on puisse revoir. La question qui a été demandée, là j'espère que c'est pas trop petit, on fait un test aussi ce matin avec des nouveaux écrans. Le grand prêtre dit à Jésus, au nom du Dieu vivant, je te demande de répondre. Est-ce que tu es le Messie, le Fils de Dieu? Et là Jésus va répondre plus que ce qu'eux ont posé comme question, le Messie, le Fils de Dieu. Jésus répondit, tu l'as dit en voulant dire oui, c'est ça. Et je vous l'affirme, à partir de maintenant, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant. Il viendra sur les, nuées, sur les nuages du ciel. Donc Jésus dit, oui, je suis le Messie, celui qui est loin, celui qui a été choisi par Dieu, mais je suis celui aussi qui, qui, qui va régner au ciel. Parce que quand on parle d'être assis à la droite de la puissance de Dieu, on parle de règne. Et à partir de ce moment-là, on va voir par la suite brièvement que, dans le fond, la suite du procès, qu'on a accusé Jésus, revient continuellement à cette idée de règne, à cette idée de, de royauté. Quand que Jésus a quitté... Euh, le, ce conseil-là, c'est un conseil de chefs religieux, mais eux, ils l'ont amené à celui qui, finalement, lui, avait autorité de pouvoir tuer quelqu'un sur la base d'un crime. Donc, ils l'ont amené à Pilate. Pilate est ce représentant des, des Romains, représentant de l'empereur romain euh, qui, qui était César. Et puis, il l'emmène devant Pilate. Et puis là, Pilate, il s'installe avec Jésus dans une forme de procès entre lui et, et Jésus. Puis là, il demande à Jésus, Jésus, on me dit que tu es roi. Ces chefs-là, là, ils disent que tu es roi, est-ce que tu l'es? Et là, au tout début, Jésus ne répond pas. Mais plus la discussion avance, puis l'autre repose cette question-là, est-ce que tu es roi? Et là, Jésus va répondre, je n'ai pas apporté le texte, mais vous pouvez simplement écouter ce que Jésus dit. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Et Pilate lui dit Tu es donc roi et Jésus lui répondit Tu le dis, je suis roi. Jésus a affirmé être roi. Pilate il dit Est-ce que tu es roi Les autres disent que tu es roi Puis en fait, c'est intéressant parce que Pilate, il travaille pour un roi il travaille pour l'empereur. Et puis il est le représentant de ce roi-là. Mais en même temps, il est très respectueux parce qu'on va voir dans le procès de Pilate avec Jésus qu'il va faire attention. Puis à la limite, Pilate, a peur un peu de Jésus. Il craint Jésus. Je euh, skip beaucoup d'informations pour dire aussi que même la femme de Pilate avait fait un rêve et puis elle avait été troublée dans ce rêve-là. Et puis il avait ce rêve-là, c'était Dieu qui lui disait ben, de faire attention à comment Jésus allait être traité. Donc elle a apporté cette, euh, euh, ce, ce rêve-là à son mari qui était Pilate. Donc Pilate, il, et il dit, ok, donc tu, tu dis être roi, puis là Jésus dit, oui, effectivement, mais mon royaume n'est pas de ce monde, mon royaume n'est pas ici. Jésus, je fais juste une parenthèse, si vous êtes des croyants, puis vous êtes familier avec l'Église, vous espérez peut-être le retour du roi sur la terre. Mais une chose qui est extrêmement importante, c'est de croire que Jésus l'a affirmé, il est déjà roi. Jésus est déjà roi au moment qu'il est sur la terre, et quand Jésus dit... Vous allez me voir, il disait ça au chef religieux, vous allez me voir maintenant à la droite de la puissance de Dieu. Ça veut dire que Jésus, présentement, règne. Et c'est pour ça qu'on peut l'appeler le roi éternel. C'est pour ça que Dieu nous invite à lever les yeux vers lui parce qu'il règne déjà présentement. Et, euh, et Jésus expliquait que c'est mon royaume, mais pas ici bas, mais plutôt dans le ciel. Donc, euh, après l'entretien que Pilate a avec Jésus, euh, Pilate s'en va devant la foule et puis il dit... Je ne trouve aucun crime en lui. Voici le procès qui a suivi de ce que Pilate a eu avec Jésus. Il dit à la foule, je trouve aucun crime en lui. Je trouve rien de mal. Il n'y a aucune raison pour laquelle il devrait être crucifié. Il n'y a aucune raison. Même si les Romains sont des barbares, même si les Romains sont très durs, il est en train de dire, il n'y a rien de mal en Jésus. Alors, il va trouver une... une, une, une un moyen d'essayer de libérer Jésus de différentes façons. Et là, il va dire on va essayer de, 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 de présenter finalement un choix, comme c'est possible des fois à l'occasion de, de libérer un prisonnier. Puis euh, fait que là, il présente euh, euh, Jésus, qui est un prisonnier, puis Barabbas, qui était vraiment un malfaiteur. Puis là, il a présenté les deux à la foule, puis il il dit bon, mais vous pouvez en libérer un des deux. Et puis la foule a choisi Barabbas. Donc, Pilate se retrouvait encore une fois de plus devant la foule qui réclamait la crucifixion de Jésus. Pilate, il va faire battre Jésus, c'est là qu'on place une couronne d'épines. La raison pour laquelle on a placé une couronne d'épines, c'est justement parce que Dieu a dit Je m'en vais régner, je vais être à la droite de la puissance de Dieu, je suis roi. Et les gens qui ont battu Jésus et qui ont placé une couronne d'épines, c'était pour se moquer de lui parce qu'il se disait roi. Quand que Jésus a été conduit à Hérode, je vous épargne beaucoup de détails encore une fois, mais Hérode s'est moqué de lui aussi en plaçant un vêtement. De pour par-dessus ses épaules, comme pour encore se moquer, pour sous-entendre comme quoi qu'il dit être roi, mais que dans le fond, il ne l'est pas. Donc, euh, euh, on lui met la couronne d'épines, on le frappe, puis on lui dit Hey, salut, roi des Juifs. Et là, Pilate, il reprend Jésus à un autre entretien, puis il le ramène dehors, finalement, et puis il dit Afin que vous. Euh, Pilate, il dit Je fais la, je fais la citation, je vous l'emmène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. À une deuxième reprise, Pilate a dit « Il n'y a aucun crime en lui. Vous réclamez la mort de cet homme-là et c'est injuste. » Même le gouverneur, le, le, le Pilate, euh, reprochait cette démarche-là. Donc, la foule a commencé à crier, a commencé à réclamer la mort de Jésus. Et puis là, Jésus, euh, Pilate a pris Jésus et a dit « Mais voici votre roi. Maintenant, prenez-le et crucifiez-le vous-même. » Moi, je m'en lave les mains. C'est là qu'on voit que Pilate se lave les mains. Alors, Pilate, il présente « Voici votre roi. » Et puis euh, il fait une inscription sur la croix pour Jésus, qui est en hébreu, en grec et en latin, puis qui place sur la croix, puis qui était écrit Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Pilate avait fait cette inscription-là sur la croix de Jésus pour dire Il est roi. Puis il y a des chefs religieux qui avaient vu ça, puis qui étaient dérangés, puis qui étaient troublés, puis qui disaient Di, Écris pas ça, écris plutôt qu'il disait qu'il était le roi des Juifs. Puis Pilate a dit Ce que j'ai écrit est écrit, puis il va rester là. On que, bien, puisque ça sous-entend que, plus que ça sous-entend, en fait, Pilate a reconnu qu'il y avait aucun crime en lui et ça sous-entend même qu'il reconnaissait que Jésus, en quelque sorte, il était roi, le roi des Juifs. Il lui a présenté comme ça. Ce que je veux qu'on voit ce matin, je voulais faire le, le, la, la mise en contexte pour qu'on puisse apprécier ce qui va se passer. L'encouragement que Dieu nous donne ce matin, c'est lève les yeux. Lève les yeux vers le ciel. Regarde vers le ciel. Je vous ai parlé la semaine passée du, du canot camping. À un moment donné, on est allé faire une ride, puis on se promenait en canot, puis c'était un, un canot camping de mémoire de, de 4-5 jours, en tout cas certainement un, un, 3-4 nuits. Et puis à un moment donné, on était dans la, dans la dernière nuit, et, euh, et là, le, le, le canot, la bouffe qu'on traînait avait pris, avait pris de l'eau, la bouffe avait commencé à, à, à macérer un peu dans l'eau de la rivière ou du lac. Et puis, euh, on est arrivé là-bas, on était fatigués, on était détrempés, la bouffe n'avait pas de l'air super cool. Et puis, euh, on s'est installés. Et puis, encore une fois, quand que la nuit a tombé, je me souviens encore de ce ciel étoilé que je vous parlais la semaine passée. Un ciel étoilé qui nous emmène à, à, à s'arrêter pendant un instant, puis à regarder, puis à apprécier qu'il y, y a plus grand que nous. Et que ça nous rappelle justement qu'on euh, on peut lever les yeux vers le ciel, chercher que... Rechercher quelque chose de plus grand que moi, s'arrêter puis réfléchir, puis se poser la question, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Donc ce matin, ce on, le plan de match qu'on a, c'est, je veux prendre le temps de, de mettre la table. Prendre le temps de mettre la table, c'est-à-dire que si on parle d'un Dieu éternel, d'un Roi éternel, en quoi est-ce que ça, ça nous concerne aujourd'hui? Si on vit en, en 2016, et puis mettons que j'ai une vie de, je meurs à 75 ans, je ne sais pas. Euh, donc, est-ce que pendant ce 75 ans-là, il y a quelque chose qui me concerne là-dedans? Est-ce que le, on parle du roi éternel? Si, si on parle d'éternité, puis moi je vis que 75 ans, en quoi est-ce que ça me touche? Fait que cette idée, où -ce que je veux, je veux prendre le temps de, de mettre la table à savoir, est-ce que nous, on est concerné par cette éternité-là aussi? Puis après ça, un, un deuxième, le deuxième plan c'est que c'est plus que du couscous. <laughs> Je vais vous expliquer tantôt pourquoi c'est -ce plus que du couscous, la vie sur terre. Et puis, de, en, en terminant, de découvrir la vie en Jésus-Christ. Ça va être ça notre, notre objectif ce matin. J'aimerais qu'on puisse prier tout simplement pour dire à Dieu, merci pour sa parole, merci parce qu'il nous parle encore aujourd'hui. Dieu, on te loue, on te dit merci, on t'adore parce que tu es un Dieu qu'on qu croit qu'on veut proclamer avec l'Église 180, que tu es un Dieu vivant, un Dieu qui est encore présent, un Dieu qui s'intéresse à nous. Dieu, on veut ouvrir ta Bible ce matin et puis apprécier qu'est-ce que tu as toi à nous dire. Et puis on veut prendre le temps de s'arrêter, Dieu, peu importe qui on est ce matin, peu importe notre parcours de vie, peu importe notre âge, peu importe notre statut et puis lever les yeux vers le ciel, pas pour juste regarder les étoiles, mais tout simplement pour mettre notre vie en perspective et puis regarder vers toi Jésus qui disait être ce roi et qui règne, qui tu disais vous allez me voir par la suite assis à la droite de la puissance de Dieu. Donc, Jésus, ça voudrait dire que tu es déjà là présentement. Je te prie que tu puisses venir parler à nos cœurs, que tu puisses venir nous, nous révéler ce que tu t'attends de nos vies aujourd'hui, puis qu'est-ce qu'on a à comprendre de tout cela. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ qu'on prit ces choses. Amen. Donc, pour commencer, on va mettre la table. Ça tombe bien parce que tantôt, on a... La communion, qu'on appelle la table du Seigneur. Puis Je vais y revenir tantôt dans l'explication, ce que c'est la table du Seigneur. Mais en fait, déjà, dans la, quand on parle de la communion, la table du Seigneur, c'était justement dans les derniers événements de la vie de Jésus où il a pris cette table-là, ce dernier repas-là avec ses disciples, et puis qui a montré que dans ce repas-là, il y avait quelque chose qui représentait, qui illustrait ce qu'il allait faire. Ma question que j'ai pour, pour mettre la table, pour comprendre notre réalité, est-ce qu'on a une réalité éternelle? Ou est-ce qu'on est seulement éphémère sur la terre pendant un instant comme un, un, un vent puis ça, ça quitte? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus que ce qui est terrestre? Et puis, répondre à cette question-là va nous aider aussi à comprendre c'est quoi l'intention de Dieu avec Pâques? Dans euh, notre constitution humaine, et je reviens à l'occasion une fois sur, cette, euh, sur ce, cet élément-là, on a une partie matérielle qui est le corps, ce qu'on peut euh, voir, entendre, toucher, goûter ressentir et, et on a une partie aussi immatérielle. Euh, le mot de l'origine qui, qui est psyché, on parle dans notre monde contemporain de psyché, qui est cette partie immatérielle-là, vient en fait et est souvent traduit aussi ou utilisé dans d'autres contextes comme âme ou aussi esprit. Esprit est un autre mot, mais qui réfère à cette partie immatérielle de notre personne. Donc, euh, 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 on a une partie qui, qui est matérielle, il y a une partie immatérielle. La psyché, c'est littéralement son, son mot original, c'est psyché, euh, qui, euh, qui est un mot grec qui veut dire justement le mot âme. Dans, le, dans ce mot-là, qui est psyché, euh, on, a, on a par exemple des mots qu'on qu utilise aujourd'hui comme la psychologie, les, les psychiatres, des psychoses, ce qui est psychédélique, qui est révélateur de l'âme, c'est ce sens-là de psychédélique. Et euh, on a ce, 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 cette partie en nous qui est immatérielle. Les philosophes croient, plusieurs philosophes croient à cette séparation, qu'il n'y a pas juste le monde physique, le monde qu'on peut voir, toucher, ressentir, etc., que tout n'est pas que dans notre cerveau. Mais il y a une perspective de la psychologie qui emmène justement à cette idée d'une séparation qui est immatérielle. J'aurais pu parler par exemple d'Aristote qui l'a communiqué là-dessus. Platon ou Descartes, si vous avez étudié un petit peu Descartes, qui est un homme hyper cartésien, parce que c'est lui qui l'a poussé cette théorie, mais même s'il était très axé sur une méthode, hein, il reconnaissait. La séparation entre le matériel et l'immatériel dans la constitution de l'homme. Ou bien Freud, qui va parler, qui est le fondateur de la psychanalyse, il va parler du ça du surmoi, le moi. Je ne veux pas vous embêter avec des cours de philo, mais tout simplement révéler comme quoi qu il, y a, il y a une perspective philosophique qui emmène justement à voir qu'il y a plus que matériel, il y a aussi de l'immatériel. Euh, la perspective scientifique là-dessus croit que généralement. La, la, ce, qui, ce qui concerne la pensée, les émotions, la volonté, etc., qui est généralement attribué justement à la psyché, la, la, la perspective scientifique va attribuer ça beaucoup plus à de la chimie dans le cerveau. Mais en même temps, cette perspective-là scientifique reconnaît qu'il y a comme un, un gap qui est difficilement réconciliable entre les deux, entre ce qui est, ce qui est, ce qui est, ce qui est matériel ou immatériel. Et reconnaît qu'il y a un gap difficile à expliquer entre la psyché et le corps. Juste par exemple, là je ne vous les ai pas apporté toute l'étude là-dessus, euh, mais par exemple les effets placebo. On a, euh, on, il y a eu une étude qui a été faite, par exemple dans une étude sur des asthmatiques, les chercheurs ont trouvé qu'ils pouvaient provoquer la dilatation des bronches simplement en disant aux gens qu'ils inhalaient un bronchodilatateur, euh, même lorsque ce n'était pas vrai. Donc il y a des gens qui guérissent ou qui sont soulagés de certains maux parce qu'ils croient prendre quelque chose qui en fait ne l'est pas et qui sont soulagés ou guéris en partie. Ou à l'inverse, ce n'est pas tous les médicaments qui peuvent guérir ce qui, ce qui, ce qui est dans notre mal-être psychologique, psychiatrique. Des fois, ça va simplement soulager certains maux. Donc, même la science reconnaît que c'est difficile de connecter les deux. Perdez-moi pas pendant un instant là, si vous trouvez là il est trop technique, il nous parle de plusieurs perspectives. Je vais vous expliquer où c'est que je m'en vais avec tout ça. Okay? ça s'en vient bientôt. Donc je vous ai parlé d'une perspective philosophique, d'une perspective scientifique où ce qu'on reconnaît que même selon la science, on a de la misère des fois à relier les deux gaps où ce que la pensée, les émotions, la volonté, etc. On peut difficilement toujours l'attribuer à quelque chose qui est chimique dans le cerveau. Mais je veux apporter la perspective biblique justement de cette réalité là. De la réalité de, 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 de l'âme, de la présence de l'âme ou de l'esprit aussi. Genèse 2, le verset 7. Je pense qu'on a le texte, si je ne me trompe pas, si vous êtes hâte de le lire, si ce n'est pas trop petit. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ce que ce texte-là, il dit, c'est que Dieu a pris la poussière de la terre, a pris les différents éléments, et puis l'a pris ensemble, il l'a modelé. C'est ce que, le, ce que le, la Bible révèle sur la, la création de l'homme. Mais pour que l'homme puisse prendre vie, ce que le texte dit, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Donc, une fois que le corps a été formé, Dieu y prend le, le, le corps de l'homme, Adam, il souffle dans ses narines, et là, il se produit quelque chose de particulier, c'est ça que je veux révéler, et l'homme devint une âme vivante. Donc, l'origine de notre être, de notre constitution, selon la perspective biblique, elle n'est pas terrestre, elle n'est pas bien qu'on vient de la terre, c'est-à-dire que notre corps est construit des différents éléments du tableau périodique. La Bible a dit qu il a soufflé dans les narines de l'homme et puis l'homme est devenu une âme vivante. Donc, on n'est pas, on n'a pas un corps avec une âme dedans, on est d'abord et avant tout une âme vivante avec un corps. La perspective est extrêmement importante parce que là, ce que je m'en vais avec tout ça, c'est que si... L'âme survit au corps. Qu'est-ce qui se passe après? Si tout n'est pas que physique, si tout n'est pas que terrestre, est-ce que ça se peut qu'il y ait une dimension éternelle? Je parle du roi éternel et je posais la question tantôt, en quoi est-ce que ça nous concerne? C'est sûr que si on a une perspective que tout n'est que terrestre et puis qu'on vit sur la terre et puis qu'on ne lève jamais les yeux vers le ciel, mais qu'on vit simplement ce qu'on est en train de vivre comme voyage sur la terre, puis qu'il y a des choses qui nous arrivent, puis ouf, des petits problèmes, etc., et puis à un moment donné, on finit par mourir et puis ça finit là, ben on n'a pas cette perspective-là d'éternité. Mais si on croit ce que la Bible dit, et puis même selon la perspective scientifique ou la perspective des philosophes, ou ce qu'on croit qu'il y a aussi une partie matérielle et que cette partie matérielle-là peut survivre au corps, mais qu'est-ce qui se passe après? Et si on, notre origine est d'origine spirituelle, c'est-à-dire immatérielle, est-ce qu'elle peut être en relation avec Dieu qui est lui aussi spirituel? Et c'est cette image de pouvoir lever les yeux, au sens spirituel, au figuré, vers notre Dieu d'éternité, vers le roi d'éternité. Et c'est là que, que, que je voulais vous amener à réfléchir, à savoir, mais quelle est ma condition, quel est mon état, est-ce que ça se peut qu'en moi, il y ait plus que juste de la chair, juste du sang, juste des, des choses qui constituent la vie, et puis que j'ai euh, une âme qui va survivre et qui va aller au-delà de, de ce que je perçois. Ce que nous sommes, en fait, ce que la Bible dit toujours dans cette perspective-là, c'est qu'on a été créés par Dieu et pour Dieu. Même, non seulement notre origine, mais le but de notre origine, c'est pour qu'on puisse entrer en relation, pour qu'on puisse vivre en relation avec le roi éternel, avec le Dieu éternel. Donc, le désir de Dieu, c'est qu'on puisse entrer en relation avec lui. Le désir de Dieu, quand que l'évolution, la théorie de l'évolution apporte certaines réponses, veut apporter certaines réponses en ce qui concerne, par exemple, notre passage sur la Terre, ou ce que là, on est devenu des hommes et puis euh, on, on, on vit sur Terre. Mais la théorie de l'évolution n'apporte aucune réponse en ce qui concerne la partie matérielle. Elle vient d'où? Elle a évolué comment? Comment toutes ces choses-là, comment la morale, comment la conscience du bien, du mal, comment l'amour, comment apprécier les choses, comment les émotions sont arrivées à terme. C'est quelque chose qui dépasse au-delà de, de ce qui est terrestre. Et puis Dieu, il lève la main derrière et il nous dit, ben c'est moi. C'est moi, là. C'est moi qui ai créé l'âme. C'est moi qui ai créé ça. Vous êtes d'abord et avant tout une âme et avec un corps. Mais votre corps, un jour ou l'autre, va finir que par mourir. Mais ton âme, t'en fais quoi avec Elle est où Et là, c'est là que Dieu, en levant la main, m'a dit, je t'ai créé. C'est moi qui t'ai créé, ton origine, elle est de moi, mais le but de ton origine aussi, elle est pour moi. Parce que je veux qu'on vive ensemble, je veux qu'on puisse marcher ensemble. Et tout ça nous conduit finalement même avec la, la, la réalité de ce que c'est Pâques. L'intention de Dieu à travers Pâques, c'est le point culminant de l'histoire de Dieu, où Dieu, il veut venir chercher nos, nos vies. Et quand je dis nos vies, c'est plus que, que notre corps, c'est venir chercher notre être, notre âme qu'on est notre 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 essence même de ce que l'on est, c'est-à-dire une âme vivante. Notre existence est plus longue que notre passage sur terre. C'est la raison pour laquelle que Dieu s'est intéressé sérieusement à notre condition. C'est que Dieu savait pertinemment que si on meurt sur terre dans la condition dans laquelle on est présentement, on reste séparé de lui pour l'éternité. La raison pour laquelle on est séparé, c'est parce que on, on, chacun d'entre nous on a fait le mal un jour ou un autre. On a, on a cette nature qui nous a collé à la peau et qui fait partie de, de notre nature où on est ce que la Bible appelle pécheur. Et ça, il n'y a personne qui échappe, il n'y a personne qui est au-dessus de cela. Et, la, et Dieu nous dit Bien, Je m'intéresse sérieusement à ta condition pour que tu puisses vivre dans, dans, dans une meilleure condition, pour que tu puisses réellement découvrir la vie. Donc, Dieu a envoyé son Fils et c'est la raison pour laquelle son Fils est venu, son Fils éternel, son, le Roi éternel, Jésus-Christ. Pour que finalement, à travers l'histoire de la Pâque, ce qu'on constate, ce qu'on réalise, puis ce qu'on va rappeler tantôt à travers les éléments de la communion de la table du Seigneur, c'est que Jésus a livré sa vie en sacrifice. C'est qui qui a tué Jésus Les, 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 les Romains, est-ce que c'est les, les chefs religieux qui l'ont tué Ces gens-là ont tous reçu une certaine part de culpabilité, certainement. Mais ultimement, une des paroles que Jésus a dit sur la croix, c'est Père, je remets entre tes mains mon esprit. Je remets mon esprit entre tes mains. Jésus s'est livré lui-même. Jésus ne s'est pas suicidé. Il, est, il a été un martyr, un sacrifice pour nous, pour, que, pour prendre notre place finalement. C'est la raison pour laquelle Dieu s'est intéressé à notre condition, parce qu'il savait qu'on avait besoin de découvrir la vie. On avait besoin d'être restauré. Si notre âme survit au corps, est-ce que notre âme peut être morte? Quand elle est séparée de Dieu, elle est morte. Bien que vivante. Et quand elle est retrouvée, quand elle a retrouvé l'origine de ce pourquoi elle a été créée, c'est-à-dire d'être en relation avec Dieu, elle découvre la vie. Et c'est pour ça que Dieu, à travers son, le sacrifice de son Fils, a donné la vie à ceux qui la reçoivent par la foi. Et ça, la Bible appelle ça la vie éternelle. Quand on lève les yeux vers notre roi éternel, qu'on croit en lui, on est en train de découvrir la vie. Et la vie éternelle, c'est n'est pas quand ton corps meurt. Mais c'est quand ton âme est retournée vers le berger de ton âme, c'est-à-dire Jésus-Christ, et que là, tu commences à découvrir la vie. Est-ce que vous me suivez encore? Ok. Dans ça, là, ça concerne tout le monde. Si vous êtes un vieux croyant, tu sais, j'ai déjà entendu souvent cette, cette histoire-là, je la connais souvent, je sais pourquoi Jésus est mort pour, pour la croix, pour mes péchés, etc. Mais cette vérité-là qu'on appelle l'évangile, la, la bonne nouvelle du royaume que Jésus emploie aussi, fait encore une différence dans ta vie aujourd'hui. Parce que c'est encore cette vérité-là qui t'emmène à pouvoir marcher de jour en jour dans la victoire, de pouvoir dépendre de lui et qu'à chaque jour, sa grâce te suffit aussi et que tu vas continuer de découvrir la vie en Jésus-Christ. La réalité du royaume, je veux juste apporter un texte rapidement pour conclure à cette idée de mettre la table. Je vais placer le contexte de. de, de on, on est plus qu'un passage sur terre, mais on est une âme vivante aussi qui survit au corps une fois qu'elle est morte. Et puis à un moment donné, il y avait un apôtre qui est Pierre et puis qui a, qui a fait un discours à des gens qui avaient besoin aussi de découvrir que leur âme avait besoin que d'être sauvée, que d'être délivrée. Et puis acte 3, versets 19 à 21 que je vais vous lire. Le texte dit, changez donc de comportement et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Alors le Seigneur fera venir des temps de repos et vous enverra Jésus le Messie qu'il avait choisi d'avance pour vous. » Justement que je poursuive le texte, ce que Pierre est en train de dire, c'est changer de comportement, changer de « minding ». Repentez-vous, une vieille expression qui est dite dans la Bible, mais cette idée de repentance, changer de comportement, c'est faire ce 180. Et là, Dieu est en train de nous dire, « Fais cette démarche-là. Repends-toi, tourne-toi vers celui qui est Dieu, et dans un but précis pour qu'il puisse effacer vos péchés. » Quand on se tourne vers Dieu, qu'on décide de changer notre comportement, à ce moment-là, Dieu efface nos péchés et il envoie des temps de repos. Il envoie des temps de repos et il envoie aussi Jésus-Christ qui vit en nous. Qui vit en toi, qui marche avec toi, et qui t'accompagne à chaque jour, à chaque instant, peu importe les difficultés. Je suis pas en train de vous dire que une fois que vous avez fait cette étape-là, maintenant vous aurez plus de problèmes, ça va être toujours facile, ça va être toujours agréable, c'est pas vrai. Il va en avoir des difficultés. Mais la différence, c'est que vous découvrez vraiment quelle est la vie en Jésus-Christ, de jour en jour, à travers les épreuves, à travers les circonstances, à travers les difficultés, et essayer de croire. Finalement, je poursuis le texte qui dit, et Pierre, et continue, puis regardez bien la suite du texte, c'est vraiment intéressant aussi. Pour le moment, Jésus-Christ doit rester au ciel. Jésus-Christ doit présentement rester au ciel. Son Esprit nous a été envoyé et il doit rester au ciel jusqu'à ce que les temps où tout sera renouvelé, comme Dieu l'a annoncé par ses saints prophètes depuis longtemps déjà. Donc, Jésus est présentement au ciel. Lève les yeux vers le ciel. C'est là que le secours vient. C'est là qu'est le roi éternel. C'est là qu'on peut découvrir la vie. Lever les yeux vers le ciel, c'est dire, Dieu, je suis prêt à croire. Je suis prêt à faire le point sur ma vie. Je suis prêt à abandonner ma vie. Je contrôle partout. Il y a des choses que je ne suis pas capable d'abandonner. Il y a des choses que je lutte encore. Il y a des choses que j'ai plein de tentations et puis que je vais avoir encore des difficultés. Mais Dieu, j'abandonne ma vie à toi. J'ai cette curiosité-là qui vient de toi, qui est à ton égard. J'ai des choses. Qui, qui sont en moi, puis que j'ai beau essayer de les refouler ou de les oublier, etc., ça revient continuellement. Je m'intéresse à toi. Donc, lever les yeux vers les ciels, c'est peut-être juste faire un pas supplémentaire pour dire, Dieu, je trouve mon esprit à savoir qu'est-ce que toi, tu t'attends de moi. Je veux croire à ton amour. Je veux croire que la, la raison pour laquelle tu es venu, c'était pour changer ma destinée. Parce que quand on se tourne vers Dieu, c'est notre destinée qui change, qui n'est plus la condamnation, l'enfer, mais qui est finalement le paradis. À la fin de la crucifixion, juste avant la fin de la crucifixion. Si vous vous souvenez de l'histoire, euh, c'est une histoire euh, que relativement tout le monde connaît. On parle des larrons, on parle du bon larron puis du mauvais larron. En fait, c'est des brigands, on aurait pu traduire ça comme ça. C'est des criminels, ni plus ni moins que des criminels. Fait que de dire un bon criminel, ça n'a pas rapport. Fait que c'était deux, deux mauvais gars, comprenez? Deux. C'était pas des bons Jacks, c'était des mauvais Jacks. Et puis, et eux autres sont à côté de Jésus, puis ils insultent Jésus. Au tout début, quand vous lisez l'histoire, les deux, là, ils insultent Jésus. Là, puis, hé, hey, Jésus, si hey, t'es Dieu, si t'es roi, sauve-toi toi-même, puis sauve-nous dans la même occasion. Là. Fais quelque chose, descends, laisse-toi pas insulter. Tu es quoi, t'es super puissant, mais pourquoi tu le fais pas? Lève-toi, décroche-toi, puis vas-y, fais quelque chose. Alors, les, les, les deux mauvais gars qui sont là, c'est ce qu'ils lancent à Jésus. Mais à un moment donné, un des deux larrons que j'imagine, et ça, c'est pas révélé, mais qu'à un moment donné, il est entré vers lui-même. Il peut-être, il est entré en lui-même, puis il a peut-être regardé au ciel, il a peut-être regardé à Jésus, il a peut-être regardé la croix, il a peut-être regardé ce qui était écrit au-dessus de la tête de Jésus, roi des Juifs. Il a peut-être réfléchi, puis dire Mais, ce gars-là, il ne gars mérite pas ça. Et on ne sait pas tout le discours qu'il a eu en dedans de lui-même. Mais à un moment donné, il a entendu l'autre mauvais gars, l'autre larron, le mauvais larron, il dit à Jésus, ben justement, hey, Jésus, sauve-toi toi-même et puis sauve-nous, puis blablabla. Et puis là, finalement, ce, ce, ce bon larron-là dit à l'autre, Mais ben, tu crains-tu pas Dieu? Est-ce que tu le crains pas? Dans le fond, là, quand on y réfléchit, nous, là, on mérite d'être là. On mérite d'être là. On mérite que d'être crucifié. On mérite le, le châtiment. Et s'ils sont punis de masse parce qu'ils ont dû faire quelque chose d'atroce, on mérite d'être là, mais ben, lui, il ne le mérite pas. Peut-être qu'il avait entendu Pilate quand il avait dit ben, je ne vois aucun crime en lui. Je ne vois pas rien de, de, qui est condamnable en lui. On ne sait pas tout ce qui s'est passé dans son cœur, mais il s'est tourné vers Jésus et a dit Jésus, quand tu vas revenir dans ton règne, souviens-toi de moi. Et Jésus lui a dit Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Ce, ce mauvais gars-là, il avait catché une chose. Et c'est la même chose qui, pour nous, est extrêmement importante aujourd'hui de catcher. C'est notre culpabilité. C'est la compréhension qu'on mérite que d'être séparé de Dieu. On mérite, on mérite, Jésus ne méritait pas d'être là. Il était innocent de, de, de tout crime, de tout péché. Et que si on est séparé de Dieu et que si on est condamné, bien on pourrait faire semblable aux deux larrons. C'est-à-dire que dire à Jésus, Hey Jésus, tu sais, je m'intéresse à toi, mais fais tu quoi puis sauve-moi. Un peu comme le mauvais gars, là. Mais la différence de l'autre mauvais gars, qu'on appelle le bon larron, c'est qu'il a dit non, moi je mérite d'être là, je mérite ce que je, le, le châtiment que j'ai présentement, et c'est ça qui l'a sauvé. C'est ça qui va nous sauver. C'est tout simplement que d'être authentique, que d'être honnête avec Dieu et de dire oui Dieu, j'en fais du mal, oui Dieu, j'en ai fait des péchés, oui Dieu, je ne sais pas comment je vais me faire pour me décrocher de là, je ne sais pas comment je vais faire pour m'en sortir, mais on se tourne vers Jésus puis on dit souviens-toi de moi. Interviens pour moi. Fais quelque chose en ma faveur. Et c'est là que ce qu'on appelle la foi, la confiance, ce qui, ce qui, ce qui est en train d'émerger de nos cœurs, où on lève les yeux et on dit Dieu, je me tourne vers toi puis je ne sais pas comment je, moi je peux faire quelque chose pour moi, mais je sais que toi tu peux quelque chose pour moi. C'est ça qui fait la différence. Lever les yeux vers le ciel, c'est plus que du couscous. Dans ce canot camping, on était à notre dernière journée, le, le, la bouffe avait pris l'eau, puis il faut que je fasse attention à ce que je dis, parce que la personne qui avait cuisiné le couscous est assise là. <laughs> mais il était vraiment pas bon, le couscous. Là. Et ce n'était pas de sa faute. Mais le couscous, là, il avait pris l'eau, puis on ne on, on savait plus trop ce qu'on allait manger ce soir-là. Je compte ça de mémoire, mais je me souviens que finalement, on a fait un espèce de souper avec des, des choses qui restaient. Là. Fait que ça a fait une espèce de mélange un peu, un peu bizarre, un peu particulier. Et puis, euh, euh, c'est dure réalité de la vie. <laughs> Pas que le Cusco c'est si dur que ça, mais l'illustration que je veux ressortir de ça, c'est que des fois on est dans des contextes où on a l'impression que c'est difficile, c'est pénible, et puis il y a des, il y a des souffrances. Puis euh, ces choses-là nous ramènent facilement à, à vivre uniquement avec la perspective qui, qui, de juste qu ce qu'il y a sur la terre. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin de lever les yeux vers le ciel. Parce que euh, quand on lève les yeux vers le ciel, on prend de la perspective. Souvent, on a tendance à, à planter nos tentes avec des piquettes bien, bien creux. Puis à chercher à placer nos tentes de façon le plus confortable possible. Comme si notre passage, l'absolue réalité de nos vies n'était que ce que l'on vit sur la terre. Quand que Dieu nous dit, tu es une âme vivante, à partir du moment qu'elle est en relation avec moi, tu vas redécouvrir la vie. Il y aura des circonstances sur la terre qui ne seront pas toujours faciles, qui seront difficiles, mais c'est la vie, découvrir la vie est beaucoup plus que ça quand on la place en perspective et qu'on lève les yeux vers, notre, le, vers le roi éternel. Je vous ai conté la semaine passée l'histoire d'Étienne qui euh, s'était retrouvé devant le même... Euh, Conseil que Jésus au moment qu'il a été crucifié, qui on appelle le Sanhédrin. Et puis Philippe, euh, excusez, Étienne a, a raconté au Sanhédrin comment est-ce que Dieu est intervenu pour le peuple et puis etc. Puis là il a, il a conclu finalement en leur disant c'est vous qui avez crucifié le Messie, c'est vous qui avez crucifié Jésus et c'est lui qui est maintenant re, revenu à la vie. Et là ils ont lapidé Étienne parce qu'il était insulté, il était frustré, il était mécontent. Ils ont pris des roches, ils l'ont tué. Puis juste avant de mourir, bien, Étienne a levé les yeux vers le ciel puis il a dit je vois Jésus qui est debout à droite de la puissance de Dieu. Et puis à ce moment-là, Étienne est mort. Il y a des difficultés que les croyants que si vous placez ta si tu places ta foi en Jésus, ça se peut qu'il y en ait des difficultés. Mais la perspective de lever les yeux vers le ciel, puis d'apprécier ce que Dieu est, ce que Jésus est en train de faire, puis comment est ce qu'il règne présentement nous aide à marcher sur la terre et de vivre son règne, de vivre le règne qu'il a dans nos vies et par nos vies aussi. Euh, je vais inviter les musiciens à s'avancer et je vais essayer de conclure euh, tout ce qui me reste. Mais on cite peut-être que vous êtes familier avec l'Église et puis vous avez entendu Apocalypse 3.20 où ce qu'on dit, Jésus est à la porte, il frappe et puis si quelqu'un entend sa voix, ouvre, on, je, vais, je vais entrer chez lui, puis je vais souper avec lui, puis lui avec moi. Ça veut dire qu'on va, va manger ensemble. Et puis l'Apocalypse 3.20 parle de ce désir de relation. Puis on, on va souvent l'appliquer dans un contexte où on... On présente l'Évangile, mais en fait, Jésus est en train de parler à une Église aussi. Donc, même les croyants, si vous croyez présentement, ça vous concerne pas, même les croyants ont besoin de se repentir de certaines choses dans nos vies et de relever les yeux vers le ciel. Et si tu es ici ce matin et tu n'as jamais placé ta foi en Jésus, cet appel-là est le même. C'est-à-dire que Jésus frappe il veut entrer et avoir cette relation-là avec nous. Il nous appelle à la repentance. Mais Apocalypse 3, 21. Puis il est vraiment super ce texte-là, puis on ne le cite pas souvent, puis on devrait le citer beaucoup plus souvent, mais je ne l'ai pas apporté, mais je vais vous, simplement vous le lire. Le vainqueur, le vainqueur, quand on lit Apocalypse, c'est un terme qui revient souvent, c'est celui qui a placé sa foi en Jésus et celui qui que, que, que Dieu a donné la victoire sur la mort aussi, sur le mal qui avait dans sa vie. Donc le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vécu et me suis assis. Avec mon Père sur son trône. Ce que Jésus est en train de dire, le vainqueur va s'asseoir avec moi sur le trône. La vie terrestre, oui, il y a des difficultés, oui, il y a des épreuves, oui, il y a des tribulations. Et puis, Apocalypse en parle. Puis peut-être que vous avez peur de lire Apocalypse. Puis, un jour, c'est sûr qu'on va faire une série là-dessus à un moment donné. Puis j'espère que vous allez avoir encore peur. Mais je vais enlever toutes ces peurs-là pour vous montrer qu'il y a des. Hyper, super, méga belle vérité à travers ça. Que oui, il y a les séductions du monde qui nous font peur, qui nous font du mal. Qui, oui, il y a des, des faux prophètes qui cherchent à semer une confusion religieuse. Oui, il y a, des, il y a cette bête ou ce, 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 ces personnages qui, qui sont sur la terre et qui cherchent à intimider ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ par des, par des persécutions. Et bien que ces choses-là soient présentes, ce que Dieu nous dit, c'est à celui qui est vainqueur, celui qui lève les yeux vers moi, celui qui regarde à moi, je vais le faire asseoir avec moi, il va régner, je vais régner avec lui, en lui aussi. Apocalypse 1,9, je voulais apporter ici. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution. Jean, là, qui est en train d'écrire Apocalypse, il est lui-même dans de la persécution, il est en train de dire Vous l'êtes aussi, et on est compagnons ensemble, mais non seulement dans la persécution, mais aussi on est compagnon dans la persécution, le royaume et la persévérance en Jésus-Christ. On est, on est compagnon, oui, dans des persécutions, oui, dans des difficultés, mais aussi dans le règne, dans le royaume que Dieu nous a donné. 2 Timothée 2, un autre texte que je vais vous laisser. Les paroles que voici sont certaines. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Si nous restons fermes, nous règnerons aussi avec lui. Ce que Dieu a fait, c'est qu'il nous... Et il nous a donné une victoire complète. Notre adversaire, l'adversaire ultime de Dieu qui est le diable, Jésus l'a écrasé. Pendant que le ministère de Jésus sur terre, Jésus a dit, j'ai vu Satan précipiter sur la terre. Jésus avançait, puis les démons étaient chassés. Le royaume commençait à prendre de son expansion. L'adversaire perdait du, perdait du, du, du terrain. Satan a été précipité sur la terre, il a été livré en spectacle pour démontrer le triomphe de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Quand un roi gagnait sur un peuple adverse, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait les chefs principaux, il prenait les, les rois de ce peuple-là qui leur faisait du mal, une fois qu'ils ont été vaincus, il les prenait, il les enchaînait, et puis les amenait avec lui, puis il faisait une tournée comme ça dans, son propre, dans sa propre ville pour montrer l'humiliation de ses rois. Comment ce qu'ils ont perdu? Ce texte-là de Colossiens que je suis en train de vous citer, Jésus a fait la même chose. Il a livré en spectacle les dominations, les autorités. J Satan a complètement perdu. Il est désarmé par la puissance de sa, de sa puissance de la mort. Cette différence-là qu'on a sur la Terre, bien qu'il y ait des difficultés, Dieu veut qu'on lève les yeux vers lui, qu'on dépende de lui. Dieu vient déposer sur vos cœurs par son esprit des joies, de l'espérance, de la paix, de la bonté, de la confiance, de la sécurité, du repos. Je l'ai cité tantôt. Tournez-vous vers Dieu, changez de comportement et Dieu vous enverra du repos. Et privez-vous pas de ces choses-là que Dieu veut vous donner. Il y a des circonstances qui vont chercher à venir voler ces belles choses que Dieu met sur ton cœur. Mais quand tu lèves les yeux vers Dieu, Jésus va te donner la persévérance aussi, par la foi. Peut-être que des pensées vont être là et vont venir voler ces choses que Dieu place sur ton cœur, ces belles et bonnes choses-là. Peut-être des mensonges, des pensées qui sont là, puis tu vas t'en priver. Parce que je ne le mérite pas. Parce que je n'ai pas de droit, parce que je ne devrais pas. Mais quand on lève les yeux vers lui, Jésus nous donne la victoire ou la repentance sur certaines pensées qu'on croit. Parfois, c'est le diable qui va venir voler certaines choses qui sont placées sur ton cœur. Et encore là, par la foi en Jésus, Dieu donne la victoire en pouvant résister aussi à notre adversaire. Lève les yeux à ton roi éternel. Lève les yeux vers lui. Je vais vous donner un dernier texte de Hébreu 12. Verset 2. La question, justement, que je lise le texte, quelle persévérance Comment retrouver de la motivation Comment retrouver la persévérance Imaginez un gars qui s'est inscrit, par exemple, dans un marathon euh, plus tard dans l'été, puis qui doit continuellement s'entraîner, et puis qu'à un moment donné, c'est comme si à cause des conditions climatiques, ça n'y tente plus. Tombe 25 cm. Je n'ai pas envie d'aller courir dehors. Je n'ai pas envie de faire attention à mon alimentation. Je n'ai pas envie de me coucher de bonheur. Je suis fatigué, je suis tanné. Et puis euh, sa femme m'a fait du super bon pudding chômeur. <laughs> je lui ai dit, il faudrait que je perde encore du lit pour pouvoir le faire. Puis ma femme fait du pudding chômeur. Comment je vais faire pour y arriver? Comment est-ce que quand on perd la motivation, comment est-ce qu'on on, on perd le courage, Comment est-ce que quand on est dans une période où il me semble qu'il faut qu'on redouble d'efforts, parce que plus on avance, plus on lève les yeux vers le ciel, plus on, on réalise que la fin est proche, puis que l'événement s'en vient, puis qu'il faut persévérer, comment retrouver cette ardeur-là? Si tu es un croyant ici ce matin, ou chez toi, tu regardes présentement en ligne, puis tu te poses la question, j'ai plus le goût, j'ai plus envie, j ai, j ai... la discipline me semble lourde. L'encouragement que je veux te laisser ce matin, c'est lève, lève les yeux. Souviens-toi de ce que Dieu fait. Lève les yeux pour retrouver l'ardeur, le zèle qui est le produit de la foi. Lève les yeux pour reprendre la perspective. Quand l'entraînement devient difficile, qu'on baisse la tête, puis qu'il me semble que chaque pas devient lourd, devient difficile, on lève les yeux pour voir c'est où est ce qu'on s'en va. Comment est-ce que Dieu nous appelle à lui? La vie d'un croyant en Jésus, ça implique oui de la persécution, ça implique oui des difficultés sur la terre, comme tout le monde peut vivre aussi. Mais ça implique que c'est plus que ça. C'est une relation intime avec le Dieu qui nous appelle à lui. Puis qui dit je veux te faire découvrir la vie en moi. Je veux que tu dépendes de moi. Et je ne suis pas en train de vous chercher à vous tromper en disant que ce sera toujours facile, sans problème, sans difficulté. Mais levez les yeux pour retrouver la sécurité malgré les circonstances. Levez les yeux pour retrouver la persévérance dans les difficultés, dans de la persécution. Levez les yeux pour retrouver la confiance quand le doute se manifeste. Dieu ne va pas te rejeter et te dire Hey, tu doutes, toi, voyons donc, tu repasseras quand tu ne douteras plus C'est pas ça. Même la foi est un don que Dieu donne. Et quand tu es en train de perdre la foi, et si tu es en train de te douter, et puis tu ne sais plus, puis tu sais plus vers qui te tourner, bien, lève les yeux vers le ciel pour que Dieu renouvelle cette confiance-là, cette foi-là. Lève les yeux pour renouveler la joie. As de souvenir que même à travers ton passage sur la terre, il y a ces joies qui sont là. Et laisse rien la voler, parce que Dieu le donne. Lève les yeux pour alimenter l'espérance. On dit que l'espérance fait vivre. Mais qu'est-ce qui fait vivre l'espérance? C'est quand on a nos yeux fixés vers le ciel, vers celui qui, ce pourquoi on, on, on est présent sur terre. J'aimerais qu'on puisse conclure par la prière. Puis après ça, je vais vous expliquer la table du Seigneur. Qu'est-ce que ça va euh, représenter? Puis qu'est-ce que ça nous rappelle? Dieu, on vient devant toi pour te dire merci pour ta parole. Jésus, tu as vaincu la mort, tu as vaincu le péché, tu as donné ta vie pour pardonner nos péchés. C'est ce que tu nous rappelles ce matin. Que notre passage sur terre est beaucoup plus que terrestre, mais c'est une vie éternelle que tu veux nous donner. Et Dieu, on veut faire comme ce, 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 ce criminel qui s'est tourné vers toi et qui a dit souviens-toi de moi. Dieu, tu nous appelles ce matin à toi, à changer de destinée. Et Dieu, j'ai jamais osé croire en toi. J'ai toujours même peut-être envié ceux qui croient, ceux qui ont la foi. Mais ce matin, je veux tout simplement le faire, simplement en te disant que j'ai besoin de toi. Cet intérêt que j'ai pour toi, Dieu, je veux en savoir plus. Puis Dieu, ce n'est pas la religion qui m'intéresse, ce n'est pas tout ce que les hommes peuvent faire comme ces chefs religieux qu'on a entendus dans l'histoire de la passion de Jésus. Mais c'est toi, Jésus, viens alimenter, viens nourrir ce qui est en moi qui s'intéresse à toi. Parce que je veux te découvrir. Dieu, on veut faire ce pas ce matin. Si tu nous appelles ce matin à changer de destinée, je veux simplement lever les, les mains vers toi, lever les yeux vers toi et dire, prends ma vie, fais-moi de ton enfant. Je veux changer ce comportement-là, changer ces pensées-là, puis prendre ta main, et puis déjà présentement avoir cette vie éternelle de Jésus-Christ qui est mort pour mes péchés, mais ressuscité aussi pour me communiquer cette vie. Dieu, si on est croyant ici ce matin, on veut continuellement aussi relever les yeux vers toi, parce que des fois, ça nous demande, Dieu, de persévérer, ça nous demande de continuer d'avancer, puis Jésus, tu as vaincu, tu as eu la victoire sur la mort, tu as eu la victoire sur le péché, tu as eu la victoire sur Satan, tu es celui qui nous donne la vie, la vie éternelle. Jésus, tu as dit que tu es venu apporter la vie en abondance. On veut renouveler notre confiance en toi. On veut chasser le doute. On veut placer nos yeux sur toi. Et Dieu se rappeler les vérités, les saisir et les serrer dans nos cœurs pour découvrir pleinement la vie en toi. Dieu, on a peut-être abandonné pendant un instant notre ardeur. On a peut-être délaissé pendant un certain temps notre... Notre zèle pour toi. Et Dieu, on ne veut pas juste tomber dans un activisme, mais on veut que par ton esprit, que tu puisses venir ranimer cette flamme, ranimer ce feu qui est en nous par ton esprit, pour qu'on puisse être ces témoins vivants, des témoins vivants pour toi qui sont en mission, qui avons une perspective beaucoup plus grande que notre passage sur terre de, de, de tente dans laquelle on habite présentement, mais plutôt d'avoir une perspective de la cité céleste dans laquelle tu règnes présentement et puis qu'on peut être assis avec toi dans les cieux. Dieu, on veut renouveler notre ardeur, retrouver notre courage en toi. C'est par le nom de Jésus-Christ qu'on prie ces choses. Amen.